Hop, reparti pour du Space Engineers. Donc aujourd'hui, crash test. Je vais aller faire essayer la fourreuse. Ce que j'ai crafté, donc maintenant j'ai plus qu'à essayer. Ici c'est vide. Je vais lancer après. J'ai rien à faire de spécial. Non. Du coup, normalement, la batterie, elle est chargée. Yes, papa. Du coup, mettre en route les propulseurs. On va décrocher. Il n'y a plus de piles, ok. Ça, c'est con. C'était pas censé se passer comme ça. Peu de mal à s'arrêter, j'ai l'impression là, non? Avant de partir, les trailleuses, est-ce que ça marche? Yes. Donc ouais, ça vise pas trop dans le pointeur, mais c'est pas grave. Je voulais faire quoi? Réactiver. On va aller chercher de l'or et de l'uranium, je pense, en priorité. De l'argent aussi, parce qu'il en faut taquet. Enfin, taquet, non. On va prendre ça aussi, du magnésium. Trois, donc j'avais vu qu'il y avait de l'or là. Putain, juste en dessous, t'y crois, toi? Or, uranium, on va aller là-bas. Comme ça, je vais prendre un peu d'uranium. Vingt et une minutes, il tient le vaisseau. Va peut-être pas être fabuleux, ça. Hein. Bon, déjà ça vole, c'est cool. Par contre là il y a un vaisseau ennemi. J'espère qu'ils vont pas venir me casser les bonbons. Attends. Freine tout. On va se mettre à l'envers, comme ça freinera plus vite. Je vais peut-être déjà aller essayer le magnésium et le cobalt. Vu que je serai un peu plus près de la maison. On sait jamais. Stylé ce petit cockpit là. Signal GPS détecté.
Ah, par contre, il va être long à freiner. Hein. Quand il va être plein, j'ai intérêt à faire attention. Cobalt, on s'en fout, on en a assez. Moi, je voudrais du magnésium. Hop. Là, il y a un truc bidou que j'avais fait à la main. Voilà, se mettre en vue intérieure, ça sera peut-être plus facile. Oh, gamin! Bon, ça va déjà ça rentre sans avoir besoin. Aïe, il accroche un peu en haut quand même. Wow. Si j'allume la lumière, est-ce que je vais mieux voir? Non. Et un petit peu sur le bas, ça va. Ouais, par contre, faut que je fasse gaffe aussi au conteneur. Ce qui peut péter, j'en suis déjà à la moitié. Attends. Ah, j'aurais dû mettre un éjecteur. Extérieur. Whoop. Ah, il avance vite là, putain. Éteint. Ça va être relou ça.
Et puis j'ai rien sur moi pour crafter. Dans l'espace. A priori, non. Donc faut que j'avance, je vais enlever ça. Hop. On va lui donner un petit peu d'inertie. Voilà, impeccable. Ah, faudrait que je mette un éjecteur sur mon bordel là, parce que sinon ça va être la galère à chaque fois de vider à la main. Oup. Bon, allez, au magnésium. Je crois que ça a tapé là. Bon, déjà je suis au magnésium, ouais, c'est cool. Merde. Oh, ça monte pas trop rapide. Merde. Essayer de creuser un peu en ressortant. Bon, c'est pas tip top encore, mais bon, c'est toujours mieux que la foreuse à main. Hop! Ouais, par contre, putain, faut que je fasse gaffe avec l'accélérateur. Vraiment tapoter, hein. Merde, ouais.
moitié. Je suis à combien? 86K. Ça fait déjà pas mal, hein. C'est pas top pour voir ce qu'on fait quand même. Oup. Putain la vache. Je vais dégager la pierre là. Donc le conteneur y pète. Quoique non, attends, je vais pas me faire chier. Hop. Ah du coup ça fait un bon petit trou du coup. Je sais qu'il y a encore du... Bref, faudrait que j'arrive. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais vider la pierre. Merde. Ah nickel, je vais reprendre encore du bidule bleu, du magnésium. Parce que ça, il va m'en falloir taquet pour faire des munitions. Mets les foreuses en route, ça ira mieux. Merde. Oup. Ah non, wow, j'ai eu les boules. Aïe. Gratter là-haut. On va en prendre 200K si je peux.
Tiens, j'aurais ce qu'il faut pour les munitions. Ça va défourailler à fond les ballons. On revient, voilà. Le faire voir en vue extérieure, c'est plus pratique. Ouais, 200k, c'est bon. Remets la vue extérieure, s'il te plaît. Non, il veut pas. Est-ce que je peux faire demi-tour? Oh là là! C'est bon, il n'y a plus rien là, hein. Tu peux t'arrêter. Le truc, il est encore dans la mine, il n'a pas compris en fait. Bon, du coup, rentrer maison maintenant. Donc c'est où? Ouais, mais tu tends quand même à s'arrêter. Ouais, mais un putain de temps à s'arrêter. Faudrait que je mette un gros propulseur à l'envers, bah tiens là-dessous, sur les tuyaux. Ou que je remette deux petits, à la limite. Voire même quatre petits. Bon là ça freine, mais c'est quand même pas... En cas d'urgence... pourquoi je dérive là? Bon, faut que je retrouve l'entrée de la maison maintenant. Essayer de pas me taper les panneaux solaires. Ce serait ballot.
On va couper ça aussi, ça sert à rien. Peut-être pas trop mettre de gaz à l'intérieur de la maison. Enfin de la pseudo maison. Signal GPS détecté. Hop, oh putain, ça m'a chopé d'un coup. Donc, si je verrouille, je peux éteindre ça. Est-ce que ça dépop? Non. Si. Du coup, on va descendre de là. On va regarder dans le bidule. Yes. Bon, c'est un peu lent, mais c'est pas grave. Du coup, 7. Là, effectivement, ça ne freine pas assez. On va couper celui-là, voilà. Comme ça, ils seront un peu protégés. Merde. 7. On va mettre un là, un là, ça fait 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, ça m'en fera 10, ça devrait déjà freiner un petit peu mieux je pense. Ah par contre j'ai pas regardé la batterie si ça fait consommer beaucoup ou pas. Ah, elle est complètement rechargée dans 18 minutes. A priori ça pompe un peu quand même. Je vais mettre ça. Comme ça je prendrai de l'uranium à chaque fois au cas où il y a besoin de recharger. Donc maintenant, bah, faut que je resterai là une prochaine fois, hein, voir si ça freine ou pas. Je vais déjà attendre que ça se vide. Bah, je crois que c'est déjà vide. On va finir, attends. On va allumer. Bon voilà, c'est tout vidé. Attends, du coup, je vais essayer un petit coup. Ah oui, là, d'accord, ça ferait mieux. Ok, ouais, a priori, ça ferait même voire mieux qu'en marche à recul. Je crois que j'y suis dedans. Voilà. Bon, c'est cool. Voire même, j'aurais pu. Ah oui, attends. Avant que je zappe. Plaquage intérieur, ok.
Et ensuite, il me faut un éjecteur. Bon, ça, c'est un connecteur, collecteur, éjecteur. Hop, voilà, comme ça, je pourrais dégager la pierre. Automatiquement. Et petit à petit, ce sera peut-être plus pratique. Merde. Bon, bah, c'est cool. Du coup, j'ai du magnésium. Par contre, j'avais que 2K en pierre. Ça me paraît bizarre. A priori, ouais, il n'y avait que 2K, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est cool. Du coup, je vais... hop, crafter un petit peu plus de munitions. En faire 1000. Et je pense que je vais me faire une tourelle de défense. Par là dans le coin. Ça me paraît être une bonne idée. Bloc d'armes. Merde, oh putain. Tourelle d'intérieur. Là, c'est avec des obus, des missiles. Tourelle Gatling. Donc là, déjà, j'ai pas mis assez de... elle est dans le bon sens, oui. Ah, et par contre, faut que je la soude. Gris métallique tube, moteur. Tube, je sais plus si j'ai besoin. Ça, je sais, j'en ai besoin. De la plaque, c'est bon. Ordinateur, j'en ai besoin. Du petit tube. Et je suis déjà quasiment plein. Non. Par contre, je vais peut-être pas la mettre ici. Parce que là, elle va pas choper les astéroïdes. Là, ça va peut-être pas le faire, si. On va essayer, on verra bien. Il me manque quoi? Gris métallique. J'ai plus de place. J'ai plus de gris. Ensuite ici. Mettre à 800 mètres, activer mouvement, c'est bon. Cibler les météores, c'est bon. Cibler les missiles.
Ok. J'espère juste qu'il va pas tirer dans mes panneaux solaires. J'aurais peut-être dû en mettre deux, une de chaque bout. Attends. Parce que là, on peut la recharger automatique, mais par le dessous. Donc ouais, il faudrait que je mette des tuyaux carrés tout le long en fait, avec des rotors où ça passe dedans. Déjà bonne nouvelle, ça continue de tourner, c'est cool. Bon, faudrait que je démonte tout et puis que... Attends. 4. Est-ce que... Ça va marcher. Merde, là, c'est parce que j'ai mon gros cul dedans. Donc, ouais, faut tout que je démonte, que je mette tout en tuyau. Pour. Comment? Comme ça, là, je vais foutre un coffre dans le coin. D'ailleurs, ça, je vais démonter, j'ai plus besoin. Un coffre avec des munitions dedans. Comme ça va se recharger automatiquement. Bien que ça va pas non plus 225, on verra en combien de temps ça les bouffe. Parce que des astéroïdes, il n'y en a pas non plus toutes les 30 secondes. Hein. Du coup, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. C'est déjà pas mal. Hein. On fait un bon coup de farming, la forêt ça fonctionne et je pense que le prochain coup je vais peut-être aller parce que farmer ouais je vais pas faire des épisodes de farming de minerais. Je pense que je vais aller farmer hors vidéo un petit coup de Naquada certainement pour pouvoir faire un portail. Peut-être un coup d'uranium aussi. Un coup d'or, un coup d'argent, et puis je pense ouais, que le prochain épisode, je vais commencer à faire un vaisseau pour aller... Ah, quoique non, je vais peut-être plutôt imprimer l'autre, là. J'avais dit ça. Parce que j'en ai un qui est pas mal, il me semble, là. Voilà, un des deux. Et en plus, ils sont en hydrogène. Donc ouais, on verra peut-être plutôt pour imprimer ce vaisseau. Et c'est quoi ça, vaisseau mère Fedor? Nombre de blocs, 19 000. Ouais, ça à mon avis c'est un gros. Donc c'est peut-être un que j'ai modifié à partir d'un autre blueprint. Parce que celui-là il est déjà bien gros. Il y a 9 000 blocs. Et celui-là, il y en a 19 000, donc il est encore plus gros. Je pense que ça doit être un truc que j'ai eu sur le... Comment? Sur le workshop et que j'ai modifié. D'ailleurs, celui-là aussi. Hein. C'en est un, d'ailleurs, est-ce que je l'ai pas... J'ai pas celui de base. Non, c'est pas celui-ci. On sait pas trop ce que c'est. C'est pas ça. Ah voilà, c'est celui-là. Celui-là, j'ai eu sur le workshop. Donc celui-là, c'est bah, celui que je viens de vous montrer du workshop, mais modifié par moi-même. Donc je verrai lequel j'imprime. Hein. Je sais pas encore. 246 blocs, 245 et font un DLC avec.
peut-être que je prendrai celui-là, je sais pas. Bref, je vous dis à la prochaine. Tchuss.